Yo tout le monde, c'est Sortex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo, et bien oui c'est sûr, hein, une vidéo. J'espère pas que vous avez entendu le bruit de feuilles, parce que oui j'ai une feuille devant moi. Parce que oui, il faut que je remplace bien cette vidéo, parce que une vidéo de 26 minutes, c'est assez dur à remplir, mais ben, en même temps j'ai fait, ben au départ elle durait 37 minutes, mais j'ai fait des coupages, j'ai enlevé des bouts. Au départ il y avait 4 poursuites, parce que oui c'est une vidéo poursuite, donc c'est ça. Au début, on va voir une petite modification d'un véhicule que j'ai vu dans la route, en tout cas. Et puis oui c'est ça, il y avait 4 poursuites au départ, j'en ai enlevé une parce que voilà, les trois ils ont tout un truc original, comme la première, mais c'est un véhicule modifié, trouvé et tout. C'est pas original, mais c'est voilà, c'est différent que d'avoir un petit véhicule normal. En plus vous allez voir que le véhicule est super magnifique à la fin. Donc ouais c'est ça, donc il y a des moments où ce que j'ai enlevé le bout complètement, il y a d'autres moments où ce que j'ai juste, pas que j'ai voulu l'enlever, j'ai juste qu'est-ce que j'ai foutu non mais j'ai juste pas allongé, mais mis le temps plus rapide là, je l'ai allongé, je sais pas comment dire je l'ai mis en temps rapide là, en tout cas je sais pas comment vous l'appelez, mais voilà, vous allez voir comme la modification du véhicule, je sais pas si vous le voyez en ce moment, mais voilà, hein, tout simplement. Donc moi je le regarde en même temps, des fois ça bug parce qu'avec Camtasia Studio, voilà, des fois ça bug. Donc voilà, j'ai ma feuille, je devrais vous parler de plein de trucs. Donc voilà, un gameplay de 4 poursuites. Vous allez voir le dernier gameplay, il est super intéressant, mais cliquez pas tout de suite à la fin pour aller le voir sérieusement, parce que tous les trucs sont importants, je veux dire, parce que oui, je vais essayer de rendre ça très intéressant pour pas que le monde me dise ok c'est nul, faut que je vais quitter. Non s'il vous plaît, ne quittez pas, c'est très important ce que je veux dire, parce que voilà, ma vidéo vlog je vais pas la reprendre, mais voilà, j'ai juste eu 3 vues et puis c'était quand même une vidéo importante. Si vous voulez la voir, allez-y, je vous invite, hein, parce que donc voilà, on va commencer avec quelque chose qui était peut-être que des gens se posent en fait, la vidéo, pourquoi je la sors aujourd'hui, tu sais, j'aurais pu la sortir au début quand le jeu est sorti. En passant, ça c'est une preuve pour dire que voilà, moi ma chaîne c'est pas juste pour avoir le million de vues. Non, regardez, si j'aurais voulu avoir le maximum de vues, et eh bien j'aurais sorti une vidéo GTA 5 au départ, hein, quand le jeu est sorti. Donc c'est pas étonnant, parce que moi ça me tentait pas de me lancer des vidéos, parce que quand je l'ai eu, ça me tentait de me lancer dans le mode campagne. Donc je me suis lancé là-dessus, j'ai le soir en revenant de l'école jusqu'à temps que, pas que je me couche, mais tu sais, prendre la douche, tout. Donc ouais sérieusement, j'ai joué de mardi jusqu'à dimanche, j'ai fini. Donc dimanche j'ai vraiment joué dessus, de 9h matin à 3h l'après-midi, donc ouais c'est 15h, 15h, ouais c'est ça. Et puis ouais voilà, dimanche j'ai vraiment joué. Quand je parle dimanche, c'est dimanche de la même semaine que mardi. Donc ouais voilà. Donc oui, en même temps, en fait parce que bon, oui j'ai ça, j'ai fait de ma vidéo, ça me tentait pas de voilà, tout faire ça et tout. Mais je peux pas vous dire que je me suis pas essayé. En fait, c'est pas vrai. La première fois, en fait, je l'ai essayé, j'ai juste filmé. Et puis, je sais pas, je trouvais pas ça intéressant. En plus, à la fin, il y a quelqu'un qui m'a appelé sur mon téléphone, mon téléphone du jeu. Donc, ça m'a tout de suite amené à une mission. Donc, il fallait que je coupe et tout. Donc, j'ai dit de la merde et je l'ai supprimé. Un autre jour, j'ai voulu faire un live commentary, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Avec tous les trucs que j'ai à dire, c'était pas le bon moment de faire un live commentary, et puis que j'avais même pas de feuille en avant de moi, fait que j'ai
C'est n'importe quoi. Pourquoi c'est plus difficile? Ben, on est plus concentré sur le jeu et tout, donc voilà. Donc là, je suis pas concentré sur le jeu. De toute façon, ça arrête pas de bugger. Il y a même pas un FPS par seconde. Regardez, sérieusement, je vois rien. Là. Ça bug énormément, mais voilà, c'est assez difficile. Je pense qu'il faut un ordinateur gamer pour pas que ça bug. Donc voilà, c'est ça. Voilà, j'ai fait cette vidéo après que j'aille fini le jeu. Et puis, ouais, sérieusement, une fin superbe. Je vais vous en parler peut-être à la fin si j'ai le temps. Peut-être que je vais avoir de temps, hein, sérieusement, ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, bon. Non, je pense pas que vous allez le voir. Je pense que toute la vidéo, j'étais avec Michael. Oui, je savais Michael. Mais, ben, une chance, parce que sinon, je vous aurais spoilé un truc. Ben, moi, non. Ben, pas vraiment, mais, tu sais. En tout cas, je préfère pas, mais, voilà, on s'en fout complètement. Je vais pas vous spoiler, c'est pas une vidéo exprès pour ça. Ce que je vais vous spoiler, c'est la map. C'est tout, parce que oui, je me promène. Non, sérieusement, spoiler pour vrai. Quoi, je vais spoiler? Je pense que je spoil absolument rien. Donc, ouais, voilà. Aussi, en parlant du gameplay, à la fin de la poursuite que je vous parle, ben, c'est avec le dirigeable. Donc, oui, ben, mes parents l'ont précommandé. Ça aussi, je vais peut-être vous en parler à la fin, si j'ai le temps. Donc, je vais juste revenir pour... attendez, un message qui m'affiche sur Camtasia. Donc, je vous reviens, ce sera pas long. Hello. Bon, rebonjour. Donc, ouais, voilà, j'étais parti. Donc, je me rappelle plus vraiment. Ouais, on parlait. Ouais, j'avais précommandé le jeu, donc je vous ai dit que j'allais en parler à la fin. Ben non, pourquoi en parler à la fin? Je vais vous en parler. Donc, oui, je vous avais dit que c'était pas sûr que j'allais avoir le jeu parce que c'est pas moi qui le payais. C'était mes parents, c'était pour Noël et tout. Donc, ouais, c'est ça. Et puis, ben c'est ça. En fait, l'histoire, je vais vous la raconter. Je reviens de l'école parce que, voilà, j'étais un peu pressée de l'avoir, mais voilà. Je reviens de l'école, ma mère est venue nous chercher. J'embarque dans le char, je dis « Hey, des bonnes nouvelles? » Là, elle rigole. « Ouais, non, pas vraiment. » Là, j'étais comme « Quoi? » Donc, ouais, c'est ça. Donc, elle m'a fait marcher, Dans ce qu'elle m'a fait, elle m'a niaisé, et puis voilà, elle me disait qu'il en restait plus, et puis que le jeu il pourrait arriver dans une semaine, ou comme qu'il pourrait arriver dans un mois. Donc moi, j'étais super déçue. Et puis, ben voilà, arrivé chez nous, elle arrive, elle me dit, tu mettras ça dans ta boîte lunch. Et là, j'étais comme, wow. Et le jeu est sorti de nulle part. Et ben oui, j'ai reçu le jeu, donc il l'avait précommandé. C'est pour ça que je vous parle la troisième poursuite. Ça commence par le ballon dirigeable, parce que oui, si on le précommandait, ben on a le ballon dirigeable, donc c'est assez sympa. Et puis bon, je fais pas une poursuite avec le ballon dirigeable parce que ça serait un petit peu nul, mais vous allez voir, là, ça commence avec ça. Je vais pas trop vous en parler. Donc oui, on parlait de spoil, donc non, il y aura pas de spoil, probablement pas, hein. Je dis ça des fois, et puis ça n'a pas rapport, mais non, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Et puis ouais, voilà, pas de spoil. Pas de spoil pour aujourd'hui. Donc maintenant, puisqu'il y a trois personnes qui ont vu ma vidéo vlog, il y avait un gros message qui était très important que je devais dire. Et ben, c'est le message que si je recevais le jeu, je ferais plus de let's play. Et ben oui, c'est ça. Donc le let's play Black Ops 1, c'est sûr, je le ferai plus. Des let's play, si j'en fais encore, ça serait pas tout de suite, de toute façon. Et puis, si ça me tente d'en faire, ça serait des petits games, des petits let's play comme, je sais pas moi, comme sur Left 4 Dead, comme j'ai déjà essayé de faire, mais j'ai jamais réussi. Mais tu sais, des petits let's play genre de 3 épisodes. Tu sais, pas des gros, mais voilà, parce que sinon, ça serait trop ennuyant.
Et il y a une chance que je pouvais plus de let's play. Parce que sinon j'aurais fait le let's play de GTA 5. Et putain que je vous dis, c'est pas GTA 4. Il y a beaucoup plus de missions. C'est énorme. Donc oui, je regrette pas. Je regrette vraiment pas. Donc demandez-moi même pas. Essayez même pas. Ok. De que je fasse un let's play sur GTA 5. Donc voilà. Donc oui, c'est ça. Donc plus de vidéos Black Ops 1, plus de let's play et tout. Mais les let's play, bah pas les let's play, qu'est-ce que je raconte, les vidéos GFX, oui, les vidéos GFX comme les tutoriels, les speedart, c'est, il y en aura pratiquement plus. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, bah c'est que si ça me tente vraiment le samedi, oh, pourquoi pas, je vais en sortir. Donc c'est pas je dis pas que je vais en sortir une à chaque semaine, non, ça peut sortir une fois par mois, même des fois même pas. Voilà, ça va être rare. Mais ouais, voilà, c'est quand même, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, ça que ça se passe. Mais ouais, voilà. Donc ça m'étonnerait parce que je suis pas tirant GFX, donc moi sérieusement ça me dérange pas trop que je passe plus de ça. Donc ouais, c'est ça, plus de vidéos GFX et tout. Par contre, les vidéos qu'il va y avoir sur ma chaîne, donc d'ici Noël, il risque probablement d'avoir que du GTA 5. Pourquoi? Ben c'est mon jeu préféré. C'est un open world. Puis ouais, c'est ça, c'est un open world. Et open world, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben c'est un monde ouvert. C'est ça le dit. Sauf en anglais, donc oui, c'est ça. Et puis ouais, c'est ça, c'est un monde ouvert où on peut faire n'importe quoi, et c'est ça qui est super cool, parce que quand on fait des vidéos, ben, c'est ça qui est le plus fun, moi je trouve. Et puis regardez, GTA 4 là, même avant la sortie de GTA 5, je regardais ça, c'est fou là, ce jeu. Juste que GTA 6 là, il va y avoir, enfin, je parle du GTA 6, je suis con, mais voilà, il va y avoir des vidéos, des milliers de vidéos, même plus que des milliers de vidéos de GTA 5. Donc ouais, voilà, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Ben plein de trucs. Ben cette semaine il risque probablement de pas avoir de vidéos. Hey, mais en fait, je fais cette vidéo là mercredi, la semaine, ben mardi qui s'en vient, c'est la sortie du multiplayer. Donc oui, la sortie du multiplayer, je risque de faire une vidéo probablement, mais j'en ferai pas tant que j'aurai pas de team, à part celle-là, parce que voilà, on va découvrir et tout. Mais ouais, c'est ça, je ferai, parce que là j'ai trois personnes qui seraient intéressées à faire ma team. Mais en fait, ils ont tous un problème. En fait, il y en a un qui a GTA 5. Il y a Xbox Live, mais pendant 2 semaines. Donc il va les mettre à la sortie du GTA 5 online. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que oui, il y a 2 semaines, c'est un peu nul, mais aussi il n'y a pas de casque d'écouteur. Donc c'est un petit peu bis, mais voilà. Les deux autres, eux, n'ont pas encore le jeu. Donc ça peut dire qu'il l'aille à Noël ou qu'il l'aille pas, ou je sais pas. Je les salue, hein, peut-être qu'ils regardent cette vidéo. Je ne les nommerai pas, mais voilà. Et puis ouais, c'est ça. Mais je voulais me créer une team. C'est vrai que ce serait super intéressant, mais si j'en trouve une, eh ben peut-être, hein, mais si vous me dites dans le commentaire, ah moi, venez dans ma team, et puis que je me rends compte que c'est des gens pas matures. Moi, sérieusement, je veux des gens matures, tu sais, avoir du fun, ça me dérange pas, mais quand on fait des braquages, sérieusement, comme je le dis tout le temps, je veux que ça soit sérieux, c'est pas, tu sais, je veux qu'on se rende dans le jeu, sérieusement, je veux pas que ça soit le jeu une connerie, tu sais, voilà. On joue pour l'argent, hein, n'est-ce pas? Donc, ouais, voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc, sur ma chaîne GTA 5 jusqu'à Noël, probablement, parce qu'à Noël, je vais vous en parler. Je sais pas écrire ça. Ouais, non? Ah, ouais, je vous en parlerai tantôt. Mais, ouais, c'est ça. Jusqu'à Noël, je vais probablement avoir un autre jeu. Je vous en parler après, tout à l'heure. Donc, oui, c'est ça. Mais
peut-être que je vais faire des vidéos MW3, MW2, non pas MW2, MW3 avec mes amis. C'est faire, j'ai un jeu police voleur. Peut-être, ça ne m'arrangerait pas. Ouais, c'est ça, peut-être, mais faut que je me trouve une personne, c'est sûr, c'est mon ami, mon voisin, que je salue s'il regarde cette vidéo. Salut. Non, mais voilà, c'est ça. Il y a ça, mais à part de ça, c'est vraiment GTA 5, ça va être ma chaîne, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça, hein, mais, c'est ça. Non, mais je risque de faire du multiplayer, ben, en fait, qu'est-ce que je vais filmer, c'est pas n'importe quoi, ça risque d'être les braquages, surtout, pas tous les braquages, mais beaucoup de braquages, peut-être des attaques contre d'autres personnes en multiplayer, ce serait cool aussi, mais à part de ça, ouais, c'est à peu près tout, ouais, c'est à peu près tout, donc, ouais, voilà. On est à 15 minutes, ouais, ça peut aller. ouais, c'est ça. Je parle de tout et de rien. J'essaye d'allonger les sujets, parce que, ouais, 25 minutes, si on parle, on se dépêche et tout, ça va passer vite. Donc, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Maintenant, un autre truc, en fait, c'est parce que... j'avais fait ma bannière et mon logo de GTA 5, tu sais, des petites images de GTA 5 et tout. Mais avec GamerStratex Killer, j'avais mis le texte en, comme GTA 5, GTA. Et puis je voulais mettre un logo au début, mais j'avais pas l'idée du logo. Et puis, puisque Rockstar Games sont mes créateurs préférés, oui, juste pourquoi c'est eux? Tout simplement parce que c'est eux qui ont fait GTA 5, et puis parce que c'est mon jeu préféré, bon, comme tout le monde, mais voilà, c'est ça. Et puis donc oui, c'est ça, j'ai décidé de faire le même logo qu'eux, mais avec un S. Donc oui, c'est moi qui l'ai fait. Je suis assez fier de moi, hein, sérieusement, je trouve ça beau. Bon, si vous trouvez que j'ai copié, ben c'était mon but, hein, c'était ça que je voulais, hein, quand même. Pas aller foutre à la place de l'étoile, je sais pas, moi, une paire de couilles. Non, c'est pas exagéré. Une paire de couilles, qu'est-ce que je dis? Donc, oui, aussi ma bannière, je vais peut-être vous la mettre en image dans l'écran, tout simplement parce que peut-être vous regardez cette vidéo et puis que j'ai changé ma bannière et puis que là vous êtes comme. Mais qu'est-ce qui part? Le logo, ben vous le voyez en bas à droite. Mais ouais, le vrai logo, c'est parce que c'est ça, mais avec le contour jaune et tout. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, je crois. Non, peut-être pas, mais voilà. Ouais, c'est ça. Logo bannière. Ma bannière, oui, je l'aime beaucoup. Je trouve ça bon comme idée, genre, de faire mon logo de plus en plus, genre, plus... deux autres logos de chaque côté, mais de plus en plus embrouillés. Moi, je trouve ça une bonne idée de ma part. Ah oui, une bonne idée de ma part. C'est ça. Le gars fucking pas fraîchier, là. Non, ta gueule. Non, mais voilà. Ouais, je suis assez fier. Vous me direz si vous aimez. Mais si vous aimez. Ah putain, qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais vous me direz si vous aimez la nouvelle bannière. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, ouais, c'est ça. Maintenant, autre sujet qui me fait assez chier, tout simplement parce que je me suis pas dépêché à faire cette vidéo parce que c'est pas vrai, mais puisque j'ai craqué Camtasia Studio 8, je sais pas pourquoi ils m'ont affiché un message tout à l'heure. Ton Camtasia Studio 8, tu l'as pour 5 jours, et puis après ça, je l'ai plus, donc oui, je pourrais leur craquer, mais ça me prend pas. Et puis je me suis trouvé un logiciel, il a l'air pas aussi bon que Camtasia, ben peut-être même, mais en tout cas je sais pas. Il est gratuit, Videopad. Bon, il y en a qui vont dire ah, que c'est la merde, mais les trucs que j'utilise dans Camtasia Studio 8, c'est coupé. Bon, rallonger, mettre plus vite, peut-être qu'il l'a pas, peut-être qu'il l'a, je sais pas. Mettre mon intro, mettre mon logo. Voilà, c'est tout. Et puis, ouais, ben, c'est ça. Et puis, c'est ça, Videopad, on peut.
Et puis, ouais, je trouve ça assez sympa, hein. C'est un logiciel gratuit. Si vous cherchez un logiciel gratuit, prenez pas les logiciels comme... je sais plus c'est quoi le logiciel. En tout cas, un logiciel super nul, ça sert à rien. Donc, Videopath, je vous le conseille. Je l'ai essayé tout à l'heure. Faudra que je le repratique encore, bien sûr. Mais ouais, pour l'instant, c'est correct. Et puis, quand je travaillerai, je paierai Sony Vegas. Cam Sony Vegas, ouais. Challenge accepté. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Mais ça me fait chier quand même parce que voilà, Camtasia Studio 8, c'est tout bien éclairé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout bien fait et tout. Videopad, ben c'est un peu compliqué des fois, mais ouais, voilà. c'est Videopad. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'en ai aucune idée. Donc voilà. Il reste 5 minutes. Ouais. Ouais, ben c'est pas pire, je gère pour cette vidéo. Je pensais vraiment pas me rendre à 7 minutes. Sérieusement, 21 minutes, c'est dur à remplir. J'imagine pas une heure en commentary. Live commentary, c'est pas pareil, c'est plus facile parce que t'es pile à l'heure. Mais ouais, c'est beaucoup plus difficile quand c'est plus long. Mais voilà. Donc, dernière chose avant de parler un peu du jeu. C'est justement Noël, parce que je vous avais parlé de ça tout à l'heure. En fait, oui, l'autre jour j'étais comme, à quoi ça me sert de m'acheter Watch Dogs? Et puis après ça, j'ai réfléchi, et puis le multiplayer a tellement la fou que j'ai été fou de penser ça. Non, sérieusement, je risque de l'acheter, je le veux, à Noël, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je risque de faire des vidéos dessus, c'est sûr. Le multiplayer, ça c'est sûr. Le solo, bon, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais, ouais, c'est ça. Il y a l'air super intéressant comme jeu. Je regarde pas vraiment des gameplays et tout. Parce que, voilà, c'est pas tout de suite la sortie. C'est dans 4 mois. Ouais, 4 mois, 3 mois. Même pas de... Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais, ouais, voilà, c'est pas tout de suite. Mais, quand même, hein, j'y pense. Et puis, sérieusement, je suis risque de l'acheter. C'est quand même... Ça a l'air d'un super jeu. Mais, ouais, c'est ça. Donc, je vais vous faire des vidéos. Aussi, qu'est-ce que je veux? C'est bien sûr une manette. Avec un fil, bien sûr. Parce que sans fil, ça fait trop chier. Tu l'échappes, elle se casse. Et puis, ouais, ça me fait chier. Donc, non, avec un fil, ça va super bien. Peut-être m'acheter une petite rallonge aussi, là, je ne sais pas. Mais voilà. Aussi, j'étais en train de réfléchir parce que je vous avais parlé d'un casque d'écouteur. Et puis, un casque d'écouteur, ça me fait chier. Ça me fait chier. Non, ça, j'en ai aucune idée pourquoi je dis ça. Je dis de la merde. Oui, vous allez me dire dans les commentaires, tu dis de la merde. Merci. Non mais ouais voilà, donc casque d'écouteur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que ouais, quand je fais une vidéo, je peux pas vraiment faire une vidéo avec mes amis avec un casque d'écouteur sur Xbox Live, parce que tout simplement j'ai mes Turtle Beach, donc j'ai déjà un casque d'écouteur, je peux pas me remettre un casque d'écouteur pour parler, donc c'est ça. Un casque d'écouteur, c'est pour faire des vidéos solo. Ouais, des vidéos solo, des vidéos commentary comme je fais en ce moment. Et c'est tout. Mais si, parce que là je suis en train de regarder, je vois un microphone vocal de Shure. Oui, voilà. Il est 40$. Et c'est un micro comme les gens prennent pour chanter. Je vais chanter. Oh my god. Oui, sérieusement, je suis prise à faire une vidéo chanter. Oh my god, ça va être drôle. Mais voilà. Et puis, qu'est-ce que je veux m'acheter aussi? Parce que ouais, ça serait un petit peu nul, hein, jouer avec la manette puis là le micro dans la gueule, là, ça serait comme non, mais ta gueule. Mais voilà. Donc, peut-être m'acheter, un pied de micro, pour tenir le micro, tout simplement. Donc, ouais, bah c'est ça, un pied de micro, puis ensemble, ce serait un prix raisonnable. Je vous en parlerai pas, mais ouais, j'aimerais bien ça. Puis ça serait bien ça. En tout cas, moi, j'aimerais bien ça. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez, mais sérieusement, moi, j'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça, j'y ai pensé, et puis, ouais, ça ferait tout. Ça ferait les commentaires et tout, là, avec mes amis et tout. En tout cas, j'aimerais ça, faire ça, mais voilà, hein, c'est moi qui décide, c'est Noël, c'est mon Noël, et tout. Donc, on est rendu à... Oh, putain!
Ok, c'est déjà la fin de la vidéo. J'aurais même pas le temps de parler du jeu. Ok, ben ça me fait chier un petit peu. Non, mais je vais faire une vidéo probablement de vous parler du jeu un peu, mais ouais, sérieusement, le jeu est juste parfait. C'est parfait. C'est le jeu du siècle. Donc si c'est pas le jeu de l'année, je les emmerde sérieusement ceux qui choisissent. Non, mais voilà. C'est comme, sérieusement, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu avec GTA 4. Mais c'est GTA San Andreas. Plus beau. Mais GTA 4, là, wark. Non, mais la qualité était bonne, mais ouais, voilà. Qu'est-ce que je veux dire par la qualité? Ben, c'est tout simplement parce que, ouais, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de tout et tout. Donc, c'est la fin de la vidéo. Il faut que je me dépasse parce que, ouais, voilà, on est déjà à la fin. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter la vidéo. Et bien sûr de vous abonner, ça fait toujours plaisir à recevoir. Quand je reçois un nouvel abonné, je suis comme oh oui oui oui. Non, sérieusement, parce que je suis au début, hein, 20 abonnés. Donc quand je reçois un abonné, ça paraît. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc ouais, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter, hein. Je vois qu'il n'y a pas grand personne qui commente, donc je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.